missions où les joueurs partent à la découverte d'une infinité de planètes fantastiques avec des animaux, comme vous en avez vu, qui sont géniaux. Pour Mighty No. 9, c'est développé et édité par Concept, c'est sorti le 24 juin 2016, ça a été financé par Kickstarter, c'est sorti sur PC, PS4, Xbox One, Wii U, PS3, 363, DS, Vita, Mac et sur toutes les consoles possibles et inimaginables. C'est un jeu d'action et de plateforme permettant aux joueurs d'incarner un androïde genre Megaman au nom de Beck, qui récupère des capacités qui se bat et cherche à contrer la personne pour provoquer une attaque de virus sur ses congénères. Fantastique. Donc voilà pour la présentation des jeux. On va commencer ce débat en parlant de No Man's Sky. Donc, je vais laisser parler tout le monde sur No Man's Sky. Si quelqu'un souhaite commencer en abordant un sujet ou un autre, je vais le laisser parler. Sinon, je vous lancerai sur des petites questions en particulier qui, à mon avis, vous feront réagir. C'est à vous, tout le monde. J'ai pas de point particulier à aborder en fait. Vas-y. Je passe mon tour aussi pour la première parole. Je pense qu'on pourrait peut-être commencer par toutes les promesses qui ont été faites à travers le temps de développement du jeu, et au final on peut dire qu'il y a quand même pas mal de déceptions de ce côté. Je pense que c'est une grosse mode. Je pense que c'est une grosse mode en plus en ce moment, comme beaucoup de licences, donc c'est un point qui pourrait être intéressant. Mais c'est vrai que typiquement, quand on regarde la petite vidéo d'intro qui est certes humoristique, on voit bien le décalage entre ce qui avait été promis lors de l'E3 et le résultat final, et les deux sont loin d'être très proches quand même, il y a un certain gap entre les deux. Oui, c'était l'E3 2012, je crois déjà, qu'ils avaient fait le premier trailer, déjà, qui datait. Et c'est vrai qu'avec la sortie du jeu, en 4 ans, il s'est passé beaucoup de choses graphiquement. Hein. C'est très... Ça a beaucoup diminué, quoi. Il y a vraiment une déception à ce niveau-là. Graphiquement et au niveau du contenu aussi. En soi, graphiquement, quand même, le jeu il tient la route. Et quand même, quand tu vois certains décors, c'est quand même super joli. Hein. Faut dire ce qu'il est. Ah, mais oui, mais parfaitement. Mais on dit pas qu'il est moche, on dit qu'il n'est pas ce qu'il devait être. C'est pas pareil. Ouais, si tu penses par exemple à la génération procédurale des créatures, ouais, là c'est quelque chose d'autre qu'on peut témoigner la vidéo. C'est vrai qu'il y a certaines créatures qui ressemblent pas à grand chose. Après, c'est vrai que au niveau procédural, après, est-ce que c'était une bonne idée de faire comme ça? Je sais pas. Après, on peut peut-être parler de la question de l'optimisation sur PC. Hein. Ça a été un peu catastrophique au début et je sais même pas si c'est toujours réglé, non? Bah, perso, moi j'ai eu la chance de pas avoir de soucis dès le départ. Ça fonctionnait sans problème dès le début, alors bon, moi j'ai pas été touché par ce problème là. Moi non plus, pour ma part, ça a marché très très bien dès le début, pas de problème d'installation, pas de problème de jeu, tranquille. Après, si je peux me permettre, il y a eu aussi un petit peu des soucis, notamment au niveau du clipping sur PS4 aussi. Il n'y a pas que le PC qui a été touché par ce genre de soucis. Oui, c'est vrai que moi, pour l'avoir sur PS4, c'est vrai qu'il y a énormément de clipping sur PS4. Ça fait peur de temps en temps quand même, hein. Après, ça m'a pas dérangé plus que ça. Après, excuse-moi de te couper du coup. Moi, ça me surprend pas tellement dans le sens où, moi, je vais comparer à Minecraft du coup, où là, pareil, c'est un univers généré procéduralement. Et du coup, c'est le temps aussi, je pense, de charger la map, tout ça, enfin, de tout le décor que t'as autour de toi, qui fait qu'en fait, il y a un sacré clipping aussi, quoi. Oui, c'est pour ça que je dis que ça m'a pas trop dérangé. En étant sur PS4, je pense que c'est moins puissant que sur PC. Donc il y a plus. Bravo. Normalement, il doit y avoir moins de clipping sur PC que sur PS4. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'ai pas été le mieux servi. Écoute, je te propose peut-être de nous poser les questions, de nous orienter un petit peu. Il y a pas mal de choses qu'on peut aborder. Hein, donc on peut aborder par exemple la question du multijoueur et des promesses qui ont été faites et du résultat. Est-ce que t'as un résultat, toi? Écoute, si on se fie... Ça y est, ça clash, là, c'est troll. Si on se fie à ce qu'a dit le développeur, qui est Sean Murray, je crois, quelque chose comme ça, C'est ça. Il a dit que, visiblement, les gens avaient mal compris. Après, j'avoue que j'ai pas forcément en tête ce qu'il avait raconté, mais visiblement, les gens se seraient mépris et à aucun moment, il avait parlé de multijoueurs.